sur surprise. Je suis à l'Olympia. Aujourd'hui, on est le 27 octobre, mais c'est aussi le premier jour de ma résidence à Bâle, de répétition enchaînée pour les premières parties de Vianney à l'Olympia. Bon voilà, je vous emmène avec moi. Il pense, il danse, d'un mouvement prudent. Ici, j'ai personnalisé ma boîte de in-ears, j'en suis très fière, voilà, avec des petits. Comme une énorme maille qui ça. Attends, je vais vous montrer un truc trop stylé aussi. J'ai mis des paillettes sur mes ears. Pour moi, c'était important quand même de vous présenter les musiciens avec qui je vais chanter. Donc, je vous présente. On a Elvin qui va m'accompagner au piano. Bonjour la famille. Et puis on a Maya, la ravissante Maya aussi qui va m'accompagner. Je peux pas du tout faire une présentation comme ça, je suis avec mon scotch moi. Salut. Et puis on a Maya aussi qui va m'accompagner au violoncelle. Voilà. Ciao amigos. Prenez soin de vous. Bisous. Bonsoir les amis, enfin bonjour, excusez-moi, on est dans ma loge. C'est la première fois ce soir que je vais faire un concert, un vrai concert, que c'est la première fois à l'Olympia, première fois en première partie, donc en fait je suis excited. Sa bohémienne, elle était gauche, elle était... Est-ce que je connais où est la scène? Sur surprise, je suis à l'Olympia. Franchement, vous me suivez, mais je sais pas du tout. Oh my god. My god. Je suis bien surexcitée quand je suis sauvée. Mais me voilà libre. Je serai la reine sans roi. Test, 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 test. Ça c'est ma petite robe Claudie Pierlot. C'est une de mes robes préf. J'ai choisi cette robe là, c'est symbolique, c'est parce qu'en fait c'est vraiment une robe dans laquelle je me sens à l'aise. Si même ça c'est un, elle est un vêtement, je serais comme ça, genre. Je serais pas trop longue, pas trop courte, et j'aurais des petits froufrous, quand même des petits détails, parce que c'est dans les détails qu'on voit la perfection. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? En plus, c'est pas comme si j'étais pas à la boue. Si, go. C'est vrai, une technique, je vous donne les astuces là. C'est que moi, je boucle les cheveux la veille. Je jure, les lendemains de boucle sont meilleurs. Donc en fait, vous bouclez la veille au soir, c'est le lendemain, vous vous réveillez, vous passez le peigne et nickel chrome. Voilà. Vous faites comme Maya, vous pouvez aussi faire. J'aime pas ça, moi d'habitude, je stresse pas. Et j'aime pas l'idée de me dire que genre je stresse et tout, j'ai pas... Non en fait, pourquoi? Je crois que je stresse de... parce que j'ai envie de bien chanter, parce que les chansons, il y a beaucoup de chansons que les gens ils vont écouter que pour la première fois. Ouais, on parlait de toi. Ouais. Allez. On disait putain, quand même c'est son premier concert. Hein, tu sais que ma première partie c'était ici moi aussi, ma première partie. C'était en ouverture de Dick Hanegar, c'était mon idole de jeunesse et tout, et j'avais fait l'ouverture là. Mais je veux dire, j'étais pas du tout prêt comme toi, c'était catastrophique, j'avais une guitare décordée. Allez, bon concert les amis. Merci d'être avec nous. Merci à Mustia, je suis fier de toi. Merci. Merci.